Depuis 28 ans maintenant, Marciac dans le Gers accueille les plus grands musiciens de jazz du monde. Cette année encore, jusqu'au 15 août, de grands noms vont se succéder. Au-delà du festival, pour les connaisseurs, c'est aussi un événement pour les habitants de Marciac. 10 000 personnes passent chaque jour dans les rues de la commune. Reportage Thierry Stampfler, Nathalie Berthier. Cet homme est une légende, Taj Mahal, l'un des derniers grands, l'un des rares aussi à avoir toujours enrichi le blues de beaucoup d'autres influences. Ma mère était une noire du sud des États-Unis. Mon père était antillais, et avec ses racines, je devrais jouer du blues classique? Je ne crois pas. Only blues? I don't think so. Le public de Marciac est lui aussi friand de ces mélanges. Le chapiteau de 6000 places fait le plein avec des musiques très différentes d'un soir à l'autre. Réflexion d'un fidèle du festival. On ne s'attend pas à trouver cette excellence de l'art qui est normalement réservée où, ben, à Nice, à Antibes, à Londres, à New York, aux grandes capitales. Ici, on n'est pas dans une grande capitale urbaine, on est dans un village rural qui est devenu une capitale du jazz. Le chouchou de Marciac, c'est lui, Wynton Marsalis. Il a même sa statue dans le village. Programmé chaque année, dans des formules toujours différentes. La brésilienne Eliane Elias, elle, n'était jamais venue, d'où l'empressement des photographes. Petite, j'ai écouté aussi bien du jazz que de la musique brésilienne, ce qui me permet de passer de l'anglais au brésilien sans difficulté. Le festival de Marciac se poursuit jusqu'au 15 août. C'est la fin de cette édition. Dans un